aujourd'hui, c'est le jour J. Alors, on va tester un petit peu ça. Alors, donc, il y a plusieurs modes de jeu, donc là, je vais choisir le mode chasseur. On va voir un peu ce que ça donne. Très bien. Alors, on y va. Ça te dirait de sortir de ta cabine pour prendre un petit bol d'air frais? Alors, déplacer le personnage, sortir de la cabine. Ça. Bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il devrait y avoir des traces dans le coin. Balade-toi un peu et tu en trouveras sûrement. Bon, déjà, le jeu est super beau. Comparé aux anciennes versions, ils ont encore retravaillé un peu les graphismes. Alors. Alors, tac. Voilà, tu as trouvé ta première trace. Maintenant, il faut l'analyser si tu veux savoir quel genre d'animal on va chasser aujourd'hui. Oh, le légendaire cerf de Virginie, un grand classique. Okay. Très bien. Alors, on sait que c'est un cerf, mais on n'a ni permis ni fusil pour ce gibier. Tu voudrais bien positionner un marqueur à cet emplacement sur la carte, puis retourner à la cabine? L'arme et le permis adéquat y attendront. Ok, donc appuyez sur le pavé directionnel pour découvrir, pour voir la carte et ajouter un marqueur. Donc, ajouter un marqueur. Ok. Cerf de Virginie. Donc, ok. Retourner à la cabane. Ah, mais putain, le jeu est beau. Putain, waouh. Alors. Bien! Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour aller chasser ce cerf de Virginie. Oh, attends! Avant que tu t'en ailles, j'ai une petite surprise pour toi. Eh oui, ton propre beagle. Vas-y, donne-lui un nom. Alors, on va l'appeler comment? On va l'appeler Max. Allez. C'est un nom génial. Il me fait penser à mon vieux border collie. Bon, déjà, il va pas faire le tuer. Réintéressons-nous à ses traces. J'espère qu'il est pas trop rapide. Sur la carte pour y trouver le marqueur. Ah, je me trompe avec le gibier. Alors, retournez jusqu'aux traces. C'est parti. Ah, putain. Ah. Voilà. Ton chien a repéré la trace. Ok, impeccable. Je devrais féliciter ton chien pour le stimuler et l'inciter à être plus obéissant. Alors, appuyez sur L1 et sélectionnez commande féliciter. Alors. Maintenant, si tu as un chien, bravo. Tu peux lui indiquer de pister l'animal à partir de cette trace. Ton chien se frayera un chemin jusqu'à la prochaine trace et il attendra tes instructions. Vas-y, essaye. Alors. Pister. Bon. Continuons un peu à suivre cette trace. Je suis sûr que tu vas finir par trouver quelque chose. Allez, on va voir un peu si le premier animal, j'arrive à le chasser. Bah, c'est le tuto. Hein. Donc là, on est en mode chasseur et après, on fera le mode ranger un peu pour comparer. Donc voilà, le jeu sort demain sur version PS5 et Xbox Series X. Chasser peut être une activité de longue haleine. Il faut des nerfs d'acier et une bonne dose de patience. Si tu continues à suivre les traces, tu vas forcément finir par tomber sur un animal. Je fasse gaffe parce que le chien court vite quand même. Alors. Oh, regarde, c'est un stand. Vas-y, approche-toi.
Ah bah voilà, ça j'adore ça. Ah mais là si je vais au stand, le problème c'est que le chien il va pas... Bon c'est pas grave. Je vais le laisser, je le rattraperai après. Il ne te reste plus qu'à grimper dedans. Génial. Maintenant que tu es dans un stand, il te suffit d'attendre. Tu n'es pas obligé d'attendre dans un stand, mais tu pourras plus facilement y repérer du gibier sans te faire remarquer. Ok. Bon, attendons un peu plus longtemps. Mon instinct me dit que les choses vont bouger. Voilà, un cerf de Virginie. Ne lui tire pas dessus tout de suite. Il faut soigneusement préparer ton tir. Inspire okay. Profondément et vise ses organes vitaux. Attends. Attends. On peut pas zoomer plus. Vas-y, tire. Ouais. Là, il bouge pas. Bien joué. Oh, tu l'as pas loupé celui-là. Maintenant, sors du stand et suis les traces de sang. D'accord. N'oublie pas de toujours mémoriser l'endroit où tu as blessé l'animal. Allez, faut que je dise ça à mon petit chien de suivre. Cherche quelque chose. Allez, vas-y, cherche. De ce côté-là, il est. C'est parti. Ah non, c'est bon. Ah, il a trouvé un truc. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ok. T'es un bon chien. Allez. C'est peut-être un peu éloigné, mais tu devrais trouver des traces de sang. Bon, examine bien ces traces de sang. Maintenant, suis-les ou demande à ton chien de les suivre. Oh bah, je demande à mon chien. Vas-y. Nickel. Putain, ça c'est bien ça. Moi, il n'y a pas besoin de chercher pendant 10 ans. Ah ouais, il y a plein de sang là. Là, on voit les traces de sang. On ne devrait plus être très loin. Le voilà, tu as réussi. Tu n'as plus qu'à le ranger et à le rapporter à la cabine. Alors, sexe mâle adulte. Europe, distance, poids, rangé. Ok, retourne à la cabane pour prélever vos animaux. Alors, on voit la carte. Alors, est-ce que je peux me téléporter directement? Aller là-bas à la cabane. Tac. Peut-être que je mette un marqueur dessus, ça sera plus simple. Voilà. Quel bon chien. Voilà, ça c'est un bon chien, ça. Alors, donc, ouvrir la carte.
si je vais là. On va tirer le marqueur, voilà. Ok. Ah, parce que c'est super grand en fait, on peut se perdre comme dans rien. Donc normalement sur la boussole ça devrait être bon. Que je le rappelle lui. Au pied. Allez, viens. Voilà, le voilà. Nickel. Par contre, je pensais qu'on pouvait se téléporter sur la cabane, mais on ne peut pas. Ça va, il court vite. Fatigue. En tout cas, le jeu est super beau. Tiens. Oh oh. Attends, tu as entendu ? On dirait qu'il y a un autre animal dans les parages. Oh, ça oh. Ressemble à un élan. Mais comme tu n'as pas de permis pour ce gibier, tu ne peux pas le chasser. Avec plusieurs permis pour une même région, tu peux chasser plusieurs animaux. Ça vaut le coup. Bref, retournons à la cabine. Ah ouais. Allez, viens. Il veut chasser à tout prix le chien. Alors là, j'ai ma voiture. Donc je crois que là, le truc a été là, la cabane. Voilà. Maintenant que tu es arrivé à la cabine, il ne te reste plus qu'à prélever. Quand tu prélèves un animal rangé, tu peux soit l'échanger contre de l'argent, soit en faire un trophée. C'est toi qui vois. Alors, prélever animaux. Alors, vendre ou trophée. Bon, avec un trophée, c'est le premier. Tu fais du bon boulot aujourd'hui. Je pense que tu es capable de chasser en solo. Je sais que tu en es capable. Aie confiance en toi et fais preuve de patience. Maintenant, retournons à ton pavillon. Tu maîtrises les éléments fondamentaux de la chasse. Bienvenue dans le pavillon de chasse. Ici, tu peux configurer tes parties de chasse et acheter tout l'équipement dont tu auras besoin. Va à l'ordinateur pour accéder au magasin et récupérer ton permis permanent. Ok, alors l'ordinateur. Ah, il est là. Ah ouais, je dois en choisir un. Pesant, lapin. Ok, bon, on va prendre le premier, on va prendre les canards. Voilà. Alors, il y a plusieurs armes disponibles. Oh, 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 c'est pour chasser quoi ça? Devant.
neutralisant l'odeur. Apodorant. Ah oui, il y a vraiment tout. Hein. Les vêtements. Ah ouais, on peut tout configurer. Ouais. Et compagnon, donc mon chien. Donc d'accord, on peut changer les chiens aussi. D'accord. Ok, et ça donc mon premier trophée. Voilà, c'est celui que j'ai chassé tout à l'heure. Ok. Chantier, vous pouvez modifier vos armes depuis la cabine principale lorsque vous serez prêt. Ok, commencez à tirer. On va s'entraîner. Hein. Oh, putain, il y a des beaux fusils. Ouais, j'ai que celui-ci pour l'instant. Ok. Calibre 12. Waouh, ah oui, j'étais pas prêt. Oh putain, oh je m'en chie. Oh putain. Waouh. Je peux pas augmenter la vitesse du tir. En plus on révolte pas. Ah putain il est parti, j'ai même pas eu le temps. Putain j'en ai même pas eu un seul. Là j'étais plus fort que ça avant. Deuxième, c'est chaud. Ah ouais, je peux me déplacer. Ça, je vais attendre un peu. Oh putain, il est grand le parc. Ok, là c'est la route. Quoi ça ici alors? Ah putain, il y a plein de stands. Alors retourne au pavillon. Ok. Alors,
comment je fais pour retourner chasser là maintenant. Donc là c'est le champ de tir, donc ça doit être ici. Là. À la porte d'entrée, non? Sortir, voilà. Alors, Colorado. Alors, dans Colorado, donc il y a Roswell Forest. Après, il y a le Texas. Et l'Europe. Alors, on va tenter le Texas. Alors, j'ai quoi comme... Ah ouais, j'ai mon 12... Ça va être chaud. Et est-ce que j'ai mon chien avec moi? Ah non. J'ai pas de chien avec moi. J'ai que celle-ci, putain, au départ elle donne une super arme. Alors le chien c'est bon, voyage rapide. Ah ouais, putain, elle est grande la map. Ah ouais. Bon, bah c'est parti. Allez. Je compte sur toi. Allez, cherche-moi un truc à tuer là. Lapin. T'es un bon chien. Alors donc, c'est parti. Allons-y. Putain, si je le chasse avec le fusil là. Oh putain, il est mal le lapin. Je cours trop vite pour pas leur faire peur parce que sinon. Ouais, va où, chien là? Il ralentit, c'est qu'il a trouvé un truc, je pense. Bon, il fait quoi là? Il se promène ou quoi là? Pas de lapin, hein. À mon avis, c'est trompé de truc là.
Allez, cherche. Regardez où là. Putain, c'est juste à côté. Putain, la map, elle est immense. Un truc de malade. M'emmène-nous là. Ok, bugué ou quoi? On sait qu'il est bugué. Ah, peut-être là-bas. C'est pas les mêmes herbes. Pas bouger. Allez. Cherche quelque chose. Allez, cherche-moi ça. Mais en fait, il se promène le chien. Je pense que pour ici, je suis pas encore prêt. Ouais, je retourne dans la forêt. Je pense que ce domaine-là, je suis pas encore prêt. Je vais rester au Colorado pour l'instant. Ce sera plus simple. J'irai au Texas après, quand je serai plus perfectionné. Cherche, je compte sur toi. Allez, c'est parti. Ah putain, j'espère qu'il va pas me trouver un ours, lui. Je vais le laisser un petit peu chercher au loin. On va bien voir un peu. Alors là, on est en mode chasseur, mais je sais pas si en mode ranger on peut faire autre chose. Peut-être connaître les animaux de ça autour. Ah, il a trouvé un truc. Bon chien, bravo. Allons-y. Allez, c'est parti, un cougar.
Endurance augmentée, ouais. C'est bien ça. T'es un bon toutou. Allez. C'est un bon toutou. Rien, on entend juste le bruit du vent et tout. Il fait quoi le chien? Je sais pas où il m'emmène, mais il m'emmène. Je comprends pas parce qu'il reste autour de la maison en fait. Ouais, ben on est arrivé au point de départ. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer le mode Ranger. Comme ça, je vais faire voir les deux. Donc là, j'ai pas compris en fait ce qu'il fallait faire. Je vais regarder un petit peu au mode Ranger. Protéger, préserver, télé la devise Ranger. Découvrir le quotidien d'un Ranger dans le narratif. Procurez-vous le DLC Ranger Life pour débloquer le mode Ranger. Ah ouais. Donc le mode Ranger c'est un DLC, ok. Bon. Allez, on va pas tout reparler. Ah, on peut lui dire de me suivre. T'es un bon chien. Voilà. Allez. Vas-y, cherche. Putain, des loups et tout là. Ah ouais, il y a un loup là-bas. Ceci n'est pas un animal homologué. D'accord, donc ça j'ai pas le droit de les tuer. Putain, il y a des loups carrément. Le pop de mon chien quand même. C'est moi ce bar.
vais ajouter un marqueur. Voilà. Ok. Donc ici, je félicite quand même, sinon il ne cherchera plus. T'es un bon chien. Allez, cherche. Voilà, comme ça, donc du coup, ici, j'ai repéré les deux. Tranquille. On ne peut pas le chasser, le chien, ça serait plus simple à chasser. C'est un papillon. Je regarde s'il n'y a pas des oiseaux ou quoi. Je sais jamais. Je sais pas où il m'emmène, mais... Le loup est à derrière. Putain, bah... Où est-ce qu'il va? Il avance pas, alors je sais pas ce qu'il fait. Bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au pavillon. Voilà, sauvegarde. Et ce que je vais faire, c'est... Regardez si le mode ranger, je peux pas le télécharger. Je regarde sur le truc. Non.